Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci beaucoup, Ndeko Vanga Gelo. Alors, pour le ressent la retransmission directe de match, il faut que vous droit. Il faut qu'on soit droit et qu'on retransmette un match à Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on n'avait pas le droit de pouvoir retransmettre un match en direct. Voilà, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Joueur, je pense qu'il y a ça qui bon mon corps. C'est par solidarité. Hein? Par solidarité, ils se soutiennent mutuellement à un temps parce que ça, séance mon corps, voilà, ils ont conservé une équipe et puis après, c'est l'unité, hein, l'unité, besoin que ça qui est bon mon corps. Na joueur azo kene kobeta yabi ke baninga bazana sima bazo soutenir ngai et tout donc voilà c'est l'explication que je peux donner pour l'instant. Alors concernant ma point sinon le ba point au ballon là qui darin club motema pembe où justement et puis ça qui équipe ya Aigle du Congo occasion la kobeta playoff, je pense que jusqu'ici il y a un recours qui a été introduit hein en Ligue nationale de football par DSMP. Oui, normalement ils ont la soki décision est zoami. Après, le club a la possibilité, il y a que ça l'appel, car on a entité, ce qui va maintenir la décision, à Kokende en évocation, dans la Fédération Congolaise de Football Association. Donc, on les a avoir des recours au Epe Samelaka, club Nyonso. Bon, jusque-là, tous les élapés, réponse, ce qui, Motema Pembe a introduisait qui bah recours naie ou pas tout ça n'a pas information mingi na sujet ou anaté mais ce qui est le plus salamité donc la décision va être confirmée comme telle et puis Motema Pembe a osala obligé à gober ta play down pour n'a sauver saison naie. Voilà 085 000 44 40. Allô, bonsoir, Ndeko Akiei, 085-000-4440, numéro pour la Coupe Benga Koleka, en direct, na émission sur Top Congo FM. Allô, bonsoir. Oui, allô, Ndeko, je m'attends à ça, bonsoir. Bonsoir, Ndeko, comment vous allez-vous? Bonsoir, c'est normal, c'est Lévi. Bonsoir, Ndeko, je suis dans la mission de la mission de la Singa. Oui. D'abord, Ndeko, je suis dans la Sibou, à la Sabanda, pour la Sibou, la Bima Pata, comme la Selimba. Oui. Ndeko, je suis dans la Sibou, pour la Gamba Kany, en tout cas, où est-ce que c'est l'équipe déjà? Ma joueur est préparé pour la Cannes 2025. Pour quand il y a tout le monde qui est satisfait, pour la poste à Zaki, à la fin de la finale, mais tu peux être à la finale ou à la fin de la finale, mais tu peux être à la finale. Mais en tout cas, le public a 4 places de l'Ouana, c'est déjà pour la Bango. Mais au tel coach, en tout cas, on garde ça et ça a été bien. Mais au tel et tel rhum, en tout cas, et tel rhum, c'est déjà la Hasse à Saraïtouana. Et tel rhum, à la Cocombacal, au qui Cocombacal de Tubarabacon. En tout cas, Paul Kagame, ma bratasse, ma bratasse, ma bête, ma loutumé,
Pour s'adresser quand à la Congo. Bon, voilà. Concernant l'équipe Aigle du Congo, pourquoi Tozo va gober ta playoff? Parce que le dernier club motivé à Pembe a Ekopaki n'a 3 forfaits. Un Ningabetaki est joueur Mirakalongi contre équipe Ya Renaissance. Na équipe Ya Aigle du Congo 2 forfaits. Ou un forfait, M. Souzaï, contre équipe Ya ASV Club. Ningi va supporter à Desampe Bazalaki à la base. Ya arrêt. Il y a match entre les deux plus grands clubs, en tout cas le club le plus populaire, il y a Kinshasa. Donc 3 forfaits, on a des salariés et salariés des Aigles du Congo. Oyo, Azalaki n'a pas point. Na sima ya Desampe a gagné qui match donc contre Desampe na forfait a eu 3 points ya match wana au Desampe a remporté qui alika qui di bosso ya équipe ya Darin Club Motema Pembe na classement ya Ngonde Siko et Salayete abima 4e ya championnat na côté ya poule B où ezali na ba club a Kinshasa ba club a STP ya République démocratique du Congo. Chili ouais on obtient ça donc voilà Isaac a Ndetolobara Aigle a bénéficié juste de la position parce que Yazalaki à l'affût, donc à un point, je crois, il y a Motema Pembe. Et tant que Motema Pembe a récalé, donc automatiquement, il est à Mati en 4e place. Voilà. 085-000-44-40. Numéro pour la Robien Akoleka en direct dans l'émission, il y a Top Congo FM 085. 000-44-40. Allô, bonsoir. Allô, Ndeko Matala. Bonsoir, Ndeko. Comment le bingo est-il appuyé? Comment on a un geste à l'été, on a bien une ambiance à ce point. Toujours quand, Ndeko? On a une autre, la sélection va faire une santé, Mbemba, na Wissa. Et ça, par rapport à quoi? Parce que ce jeu est basé. En plus, le joueur pour la Lubumbu, le gouvernement, il va dire qu'il faut la Bango. Je pense qu'il a répondu à quelque chose. Alors, Chancel Mbembana, Yohan Wiss, il y a 11 types de compétition, il y a Coupe d'Afrique des Nations, selon la direction technique, il y a Confédération africaine de football. Donc, il faut faire partie, il y a 11 meilleurs joueurs, il y a Coupe d'Afrique des Nations, selon classement Oyebi Maki, juste après compétition. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Opposez la musique à la radio, tout diminuer vraiment le volume à la radio pour te commander la musique, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est la maman Céline. Bonsoir, Ndeko. Oui, Ndeko Pati. Merci beaucoup, nous avons fait ça, ma bande de consommateurs. Bon, on a vu tout à l'heure la question concernant. Oh, Ndeko Vanga, ça va tout à l'heure. Ceux qui vont jouer, ils vont être à Nino. Et bandage en 2024, et bandage le 15. Oui. Donc, et bandage le 15 janvier, ce qui se passe là, en février 2004. Vous savez pourquoi vous retournez en 2023? Pour ça, je vais expliquer. Le troisième, maintenant qu'il n'y a pas, est-ce que le joueur va être bête à Cannes? Est-ce que vous mettez les bandages pour l'éliminatoire et la Coupe du Monde? Et puis, pour l'exil ou vous? Déjà, à cause d'un club, moi, quelqu'un qui vient comment?
Merci. Quatre questions. Si tu mets à moi, si tu mets à moi, question Liboso. Pour l'année, les joueurs, comment ça se joue avec ta couffre, mort et naoulan, si un baninga. On fait ça qui est déjà réponse, malgré à Yoka quitté. Yoka quitté. Parce que dans le coup franc, le joueur va avoir une tendance à sauter. Et tout le monde a déjà Cristiano Ronaldo. Azela va sauter, il y a Tchène à ras de terre, à marquer. Donc je pense qu'à partir de Yawana, il faut que le joueur Mayel et que tout le monde va aller à la nasse pour que Naka ou Epsu te sauter. Moi, le joueur va être à ras de terre et ça, c'est pour que je sois des cours. Deuxième question. À Tuni. Pour la ligne Tobengi, Coupe d'Afrique des Nations 2023, alors qu'il est en 2024. Parce que Coupe d'Afrique des Nations, Wana et Zalia 2023, mais le cola, après Covid, bah, compétition, et Zalia qui reportait d'une année, depuis d'ailleurs Chan, où il fallait mettre en avril 2020, na Cameroun, tant que crise y a Covid et comme Makassi na Afrique na mars. 2021. Et puis reporter après. Je pense que même Euro, même JO, même Jeux Olympiques, où il fallait mettre en 2020 et qu'on mette en 2021, mais il garda qui dénomination en 2020, JO 2020 et Betamaki en 2021, Euro 2020 et Betamaki en 2021, de même Chan Wana en 2020 et Betamaki en 2021, et comme Cannes Pay fallait en 2021 et Betamina 2024, mais il conservait la dénomination Nango Cannes 2023. Question Yamisato à Tuni, est-ce que joueur ou Betty Khan, on va la reconduire pour l'éliminatoire à Coupe du Monde? Question directe à Sébastien Desabre. Il y a quand même ce qui est possible. Et puis ça, dépendra. Il y a forme de joueur en gros. Ceux qui sont en forme, peut-être. Ceux qui étaient tout le temps, la question à Souka, est-ce que Héritier vous voulez jouer club? En tout cas, jusque-là, non. Voilà, on est tout 4 questions. C'était beaucoup, mais après, ça prend beaucoup de temps pour laisser les autres aussi. Coco, t'as donc posé des questions. Hein, t'as mort mis balai. C'est bon, 4 questions. Compliqué de retenir aussi. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Oui, bonjour, Tagan, de comment est là? Moi, la fille, on a zone, mon petit. Alors, bah, qui a fait ça, t'as l'indé, à ma maman, t'as liquidé. La place, on veut qu'il compte, on veut qu'il compte la balle, on veut qu'il boye. Et quel rombo, à Zali, sur sa mobali. Donc, Merci Ndeko. Alors voilà, ceux qui ont bien dit Malamoko, moi bien à vous t'emballer, bah les athées, parce que il y a d'autres personnes aussi, bah pour ça va coûter. Si on donne deux, trois fois, la moto à coûter, ça va pénaliser. Bah mon sous, oh, bah ça peine à poser au quota. Alors pour le calendrier, la Ligue 2, on va essayer de vous le donner dans quelques instants. 085-000-4440, numéro pour la Robert Ancoléka en direct dans l'émission. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Okay. 085-000-4440, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndigo, comment vous avez besoin? Merci bien, Nicolas. Oui, toujours, quand vous avez mieux voulu ma radio, s'il vous plaît, parce qu'il y a écho et c'est belé. Allô. Pendant la canne, la mon image va supporter congolais, ils ont censuré le match de Mokouboy. Et qu'il a conférence de presse, il y a président, il y a CAF, la sécurité générale, il y a CAF, au hasard congolais, et que c'est la clarté. L'île vous a eu sur place. La police, c'est pas une bise parce que la conférence de presse, c'est pas moi, c'est que c'est la clarté. L'île vous a eu sur place, vous avez eu la coulisse, vous avez eu une explication. La coulisse, explication, monsieur Zalaïté. Oh, Karabolanda qui y a un la coulisse explication de Suez à la guité. Comme le bac en haut déjà, le plus important, je pense, a été ces gestes Oyo. Bah, je vois qui vraiment, tant il y a malam ou yarosa la yango, parce que, na hymne national, bah, je rabat en pour voir, voilà, je sais pas, c'est une sorte de présentation, hein, du 11 départ, na image. Et puis ils ont profité, il y a un moment où on a dit ça, la geste, et puis voilà, ça a été vu partout. Il y a production, il y a un match, et ça, réalisateur, sur les images, à prendre et à ne pas prendre, et ça, les réalisateurs, pour ce qui concerne match Wana,
encore tous les autres matchs à Cannes. Réalisateur, Waza producteur, il y a match, il y a Kafou, Kafoundazali producteur, il y a rencontre Nyonce. Alors, la question a été posée par Genevieve Mbo à la conférence de presse Wana, et pas à président, il y a Kaf, docteur Patrice Motsepe. Voilà, il a été vague dans sa réponse, il n'a pas voulu parler plus politique, mais il a été vague. Et c'est vrai que, sinon, c'est-à-dire qu'il n'a pas loin, c'est-à-dire qu'il a causé la réponse, peut-être Moussousou, mais il y a PC, il y a PC qui voilà. Dans la coulisse, plutôt dans la couloir, il n'y a pas eu d'autre explication quant à ce. 085-000-4440, le numéro par lequel nous faudrait passer en direct. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Ndeko, Jonathan Massala. Bonsoir, Ndeko, comment le bien que bien là, Ndeko, c'est vu, bien, bonjour. Et là, Ndeko, plaît, hein, depuis Gombe. Toujours quand, Ndeko. Bon, on a là, tout le monde, match na biso ya RDC na Côte d'Ivoire. Oui. Na ba 60 quelques minutes avant batta biso pi. To soit après batta biso pi. Et na moi entraîneur na bango ya Côte d'Ivoire commit na papier après directive et pas joueur. Ah joueur a coach ngona kati a batangi après ba coach ngona kata ba chaussettes. Ça ici mini et ngego lo bape mini. Bon yami ba le ngana tuna championnat a vu ce à playoff. Et vous vendez à Moukolonini. Playoff est vendu à Journini. Bon, on va qu'il y ait playoff. Bon, on va le moins qui. Bah, deuxième mois, on va vendre à Journini. Championnat, on va Moukolonini. Merci beaucoup. Nous allons continuer à battre la vidéo. Merci. Merci beaucoup, Neko, pour l'intervention. Alors, je pense que tout le monde a vu. Et là, qui papier a commis directive. Et là, qui il a sauté. Peut-être qu'il y a ce joueur qui était loin, qui ne pouvait pas. Qu'on s'approche naïe ou alors qui peut bien naïe apaisier maloba qui ne repère ça coéquipier naïe. Écoute, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs. Donc ceux qui entraînent à zoser le changement, aïeb ça rejoint moi ou à zokota pour monsieur sur la rame sur changement ils ont tactique. Donc tant que yoko ou zokota ou ben obeta Jonathan ben obeta milieu défensif. Ngai na zokota coach zokota rend comme milieu défensif aïeb singa lobi aïeb ça Jonathan à matamukié. Comme ça, yo au terrain malibosso à défense, place Yazalaki. Donc, Yazalaki, parce qu'il y a sur un coma qui a moi, je pense que c'est. C'est une question à laquelle on a déjà répondu depuis la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Ça s'est fait. Donc, tu sais quoi, mon bon mot pour lui, puis hey, t'es wasali qui ici, oh wasali vous, la voie directive. Et puis, parce que Sangaré a Zamoulaï. Et je pense que c'était pour justement Tango qui était entré, Sébastien Kota qui Banza, Fiston. Et Banza, on sait tous que Azam a cassé la balle aérienne. Ouais. Donc, ceux qui Sangara Télémaona, c'est sûrement pour disputer les balles aériennes, na Simon Banza. Donc, je pense qu'ils allaient en gros. Il n'y a pas à superstition dans les colonnes. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne les démarrages à playoff, donc la date précise n'est pas encore connue, mais ça devra commencer. Ça devrait, on va être au conditionnel, commencer dans peut-être 2 semaines. Donc voilà, mais on attend toujours la publication officielle. Il y a date précise, il y a démarrage, il y a phase à playoff. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko, comment le bien que vous soyez? Oui, Charlene, voilà, de vous commun de Tikenso. Oui. Donc, tout le monde est là pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Oui. Trouver ta journée. Puis, deuxième question. Dossier Nabissona, Soudan. Bon, bah, vous êtes qui joue à Wanzaki dans le passeport soudanais. Puis, en plus, dans mon avis, dans les réseaux sociaux, bah, commis. RTL le bon voisin a 24 ans. Dans la chaîne haute, il y a 2009. Azaki Namboula Nini, il y a 2014. Azaki Namboula Nini, pour les lois, il y a 24 ans. Merci. En tout cas, selon les informations, il y a 29 ans. Voilà. 29 ans, il faut que ça 30 ans. Selon les infos, 30 ans. Il y a un officiel. 30 ans, il faut que ça 30 ans. Année O. Alors 24 ans, je sais pas, est-ce que vous avez vu ça? Par rapport à Attendez.
31 ans. Mm-hmm. 31 ans, Fox a 32 ans, les années heureux. Donc 24 ans, je ne pense pas. Kaza n'a 24 ans, Dengueoji Koloba. Il y avait une autre question. Attenez par rapport à dossier à Soudan. Donc ceux qui évoluent ces dates, pour éviter couper sa information et couper sa bino. Donc on communique quand il y a une information officielle. Officielle. Jusque là. Il y a aucune information concernant ce dossier-là. En tout cas depuis Sangobimaka, Tilelo, il y a aucune information concernant ce dossier-là. Et puis le prochain match à RDC en juin, dans l'éliminatoire Coupe du Monde contre l'équipe du Sénégal. Pour ce qui concerne classement et groupe, Tébi et Sénégal sont en tête avec 4 points, même nombre de points que Soudan a pour le Saki RDC lors de la deuxième journée sur le score d'un but à 0. RDC a juste un Sima avec 3 points. L'équipe, il y a Mauritanie, Zolanda. Azana, 1 point. 1 point. Togo, 2 points. Togo, Azana. On a 2 points parce que ça là qui est nul contre Soudan. Nul peut contre Sénégal. Ouais, Togo justement dans la Sima démocratique du Congo et puis la formation à Sud-Soudan. Voilà, ça n'a souka, il y a classement. Donc ça a 1 point peu parce que ça là qui est 1 point contre Mauritanie. Voilà, donc ça voilà. Qui est nul, pardon, contre Mauritanie, voilà. Mauritanie, la Soudan du Sud, Bazan, la souka, il y a fil, donc 5e, la 6e, Sénégal, la Soudan. Bah, deux premières places, RDC 3e, 4e, équipe y'a Togo, et puis 5e, 6e, bah, équipe y'a Mauritanie, na Soudan du Sud, na groupe y'a République démocratique du Congo. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Allô? Allô, Top Sport, bonsoir. Bonsoir, Ndegokon, le Bingui Swapi. Oui, c'est Chris, la Bingui Julia. Toujours quand Ndegok Chris. Oui, maintenant, on a deux questions. J'ai besoin d'aller clôturer au Bastien à la de Martyr. En ce concernant stade Arena et avec club, non. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas eu une communication officielle sur les lieux Oyoifo, stade Douana et Tongama. Et puis, concernant le stade des Martyrs de la Pentecôte, il y a eu cette pluie et Betaki. Alors, moi, j'étais dernièrement au stade des Martyrs, j'ai pas vu place Oyo-Clôture et Zoaki problème. J'ai pas vu. Moi non plus. J'ai pas prêté attention à cela. On doit vérifier. On va vérifier pour vous donner la réponse. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ndéo. Comment bien que vous soyez? Comment le lingui soit appelé, s'il vous plaît? Comment on a aidé dans la monde à Fola? Toujours quand déco. Ma tenue que je pars avant que le film d'Afrique avec cancer en Afrique, et même bien anticipé, a commis cancer en Afrique. Et je m'attends à mon langage. Ok. Léopard, tant que c'est un tirage au sort à Zaki 12e. À Zapira 12e, la dernière classement au pub. Fédération internationale de football à Otukobimis. 12e. A gagné par contre. 4 places dans le monde, dans parce que Kazakiko 63e, alors Kazaki 67e, voilà. Dans le dernier classement. Voilà, 085-000-4440. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, papa, je m'appelle. Bonsoir, Ndigo. Comment le bingo? Bonsoir, papa, pour Fungana, mon gars. Toujours grand, Ndigo. Pendant qu'il y a un match à Majimela Pyramide, il y a la date de vie. Le 24 février. Le 24 février? Oui. Merci. Merci beaucoup, Ndigo, pour l'intervention. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndigo. Comment le bengui soit-il? Je suis venu à ma chine à faire Mbadika. On a dossier le Zoom. Oui. Pour la Rwanda, la loi, c'est ma zokane. Malheureusement, Ndigo, ok. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment est-ce que vous êtes? Question répondue déjà. 2-1 contre l'équipe Diable Noir, 2-1 contre l'équipe Céleste. Victoire à Vita. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment est-ce que vous êtes?
Papa Tifu na bingi na bibwa na kumina tele. Bayi na lo bibwa, c'est le constat mangai. Na moni comme si konore ya kaka pona dering. Na kokota boye, a suspendre dering na Coupe d'Afrique. Ba beti match na vita. Dering ya kanyi match. Mais, on a repoussé vite la punition, ça a péché la dérive. Le loup est comme il y a un dérive du joueur, mais le joueur on a bandi depuis championnat bandi. Parce que c'est un dérive. Alors, mon frère, il faut quand même tout à la juste. Alors, on a le coup de la et il y a un rapport à la dérive. Et la dérive, nous avons besoin de la punition. Le reste de l'équipe, ça a péché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko, pour la intervention. Connor il a El Kara Dering, enfin, je sais pas pourquoi. En tout cas, moi je ne le vois pas jusqu'ici. Je sais pas si lui met le rouleau comme ça. Rien à dire parce que voilà, je pense que pour un dossier où il y a joueur, la demande des renseignements, ils a l'inafoute ndé à la fédération. La fédération. Et malheureusement pour les Daring Club Motema Pembe, la fédération ndé ba répondre qui que joueur aza enregistré té ba retrouvé yété na aza enregistré té na Motema Pembe. Mm-hmm. Donc je pense que ce qu'il fallait qu'on applique règlement. Bon après je ne sais pas wana ça point de vue naïe. Nous, on a pas des commentaires à faire là-dessus. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Jonathan, Ndeko Sylvie. Bonsoir. Bon. Allô, 085-000-4440. Écoutez, la décision. Bonsoir, Ndeko Jonathan, Ndeko Sylvie. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko Kolo Bengbi Swapi. Na pindi mo de pindi mai. Oui. Eza ko tu mo ize de tula. Oui. Ah na za ko ko ise di mo ko na problem ya wana za proposition na mai par rapport na ekip na bise national. Oui. Problem ya tezo pina la coach na biso coach Sebastien on a préparé ba joueur na biso pour na finition. Problème que j'en ai à finition parce que nous avons une très bonne équipe qui toujours fait la finition na biso à la concrète. En dehors de cela, tout ce que nous avons dit est de l'étudier dans la machine à ce niveau de parcours la personne et de parcours na biso à la vie. Alors, bah, ceci est déjà dans une possibilité d'aller pour la finition à mes cas pour que ce qu'on veut faire jouer pour na ba ba ya si ma bango y a la cadre et de l'étudier. Merci beaucoup de pour l'intervention. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Allô, Niwa Kei, 085-000-4440. Numéro pour la Robin Apeko Lek en direct. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko Kumu Le Bengui Swapi. Na bengi bino na komina nga ba nga Emmanuel Munganga. Oui. Na zibino na katikati na zari na posa ya woye ba situasyo ya club na nga itepe Mazembe. Komina nivou nini ba jwe ba zawapi ezali ndenye nini. Tout puissant Mazembe. Mazembe zo prepare match na ye ya coupe la Ligue des Champions pour eux compter pour la 5e journée contre l'équipe ya Pyramids FC. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques joueurs Oyo Bazalaki na Coupe d'Afrique des Nations, notamment avec la Mauritanie, ben je pense qu'ils ont déjà regagné hein, le Lubumbashi pour pouvoir préparer cette rencontre-là avec les autres joueurs au Bazalaki Awa. Match contre équipe Pyramids FC, parce que quasiment tous les joueurs ont regagné leur club après fin il y a Coupe d'Afrique des Nations. 085-000-4440. Allô, bonsoir. Allô? 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 085-000-4440. Alors, pour... Allô, bonsoir. Bon, l'année dernière, positionné une Ibengue à tirer l'équipe nationale. Position où tu as un rôle de l'autre.
Zala explicite. Le classement? Le classement en Afrique. C'était quoi, troisième? Non, on avait, on était déjà sorti du top 5. Okay. On était déjà sorti du top 5. Bon, Az est la moins moquée pour que tout vérifier, mais en tout cas, on a pendant longtemps bénéficié à la place voilà. Je pense, la top 5. Tu comptes la top 5 Top 5 en 2017. Après, en coup de récupération. Donc, il faut qu'on vérifie. Ça date quand même. Par rapport à la dernière classement FIFA, au moment du départ à Jean-Florent Ibengué, et puis le dernier classement, tu as 12e la minute Oyo, avec Sébastien Desabre sur le plan africain. Alors, pour ce qui concerne l'équipe, il y a puissant Mazembe, le joueur Tandy Mwapé a gobé Tulchisuna Mazembe T parce que Bazui accord na équipe ya Zambie Zesco United. En tout cas, accord entre Mazembe na Zesco United pour que joueur Tandy Mwapé abeta na équipe ya Zesco United. On va y revenir prochainement. 085 000 44 40. Pendant que Sylvain Mwapé est en train de vérifier. On va prendre un autre auditeur, Ndeko Akei, 085 000 44 40, le numéro par lequel nous joindre est passé en direct. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ndeko Kolo Bengbe Swapi. Nadine Ngassani. Kombo Nani. Dino. Toujours au Ndeko. Maintenant, je réponds à Kala Louvou. Oui. Pourquoi avec vous, de Emily, si nous avons une faute de nous, les immersions contrôlées dans la Mbalamoko. Sans préavis. Donc, là, il quand il y a le bon moment, il y a une situation de contrat à lui. Sans préavis. Est-ce qu'il va peut-être combien? Bon, il va peut-être. Est-ce que le gouvernement doit penser à faire le bon pour la yété? C'est ça, on a tout un mois là. Merci beaucoup, Nico, pour l'intervention. Alors, pour ce qui concerne résiliation au contrat, Sylvie Moyama Bateko expliqué tout à l'heure qu'il y a eu résiliation à l'amiable. Il y a contrat entre Retier Le Vombo et l'équipe de Rayon Sport. Bakoufou Taimbong, il y a salaire au Itikalaki. N'est-ce pas, c'est les trois mois où il y a salaire, donc voilà. Bazofou Taï Mbongo, où il y a qui, voilà. Sur ce que le gouvernement pense faire pour lui, en tout cas jusqu'ici, on n'en sait rien du tout. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Ndeko. Comment le PSU Comment on a Bengui Swapi? Comment on a fait ça, Jérémy? En fait, ça rouge. Bengui Swapi. La Bengui Biboua. Toujours comme Ndeko. Bon, question à M. Zaboué. Bon, on a changé le même qui est venu à Bafé, va confirmer. Bonsoir, M. Soutri, bien goûté. Voilà. Coach Florent a Kendaki Alongwe Léopard en août 2019 et juste après le classement qui a suivi, il a acquis Sénégal en tête. Suivi de la Tunisie et du Nigeria. On a top 3, Algérie, Maroc, Égypte, Ghana, Cameroun et RDC. Donc, il y a qui 10e et 9e le classement. Il y a Afrique et 10e, il y a qui Côte d'Ivoire. Donc, il y a qui 9e au moment où Jean-Florent Ibengué a quitté l'équipe nationale. Voilà, si vous la mettez, il y a 12e. Voilà, 085 000 44 40. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Au moment où je suis au Malam, s'il vous plaît. Allô? Allô? Il y a un problème, on n'entend pas vraiment. 085 000 44 40. Allô, bonsoir? Allô? 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 Bonsoir, je me fais Gumbo. Bonsoir, Ndeko. Audi mieux volume Tina Souka, il y a Radio Protocole, madame, s'il vous plaît. Ok. Bonne nuit, Okuna. Audi mieux volume, s'il vous plaît. Yo Kabiso na téléphone na yo. Donc, diminuez volume, il y a radio. On diminue déjà. Non, mais
Tant que bien avec maman Sylvie Meya. Aza mon amour aussi. Sylvie Meya. Occupé comme Sylvie, je sais comment on va dire comme Sylvie. Bisous d'avoir la nena vino maman Matano. Nina Tuna, pourquoi l'équipe nationale? Ndengi musagi bintervi, ndengi magambo leka kina bazetia na bakuli. Apopo ya match na bisho ya Maroc wana na match ya Côte d'Ivoire. Ni wane kote vite kote vite. Quel but? Ni huyo, tuta kina match ya Côte d'Ivoire, la demi finale. Bi kote ki, mais arbitre a boya ki yango. Parce qu'il y a eu faute, il y a Meshaki il y a sur le gardien. Il a quasiment pris le ballon Namaboko ya gardien avant à ça là donc avant que Baleko mela Cédric Bakambu na demi finale wana achabu. Donc le but a été refusé parce que l'arbitre a estimé qu'il y avait faute sur le gardien ivoirien. Mais papa bleu vous avez qu'on a bi wana ni gardien du ballon à qui tu fais dans la sol de jeu. Ballon comme déjà mouvement non. Et puis tant que après tant que Namaboko na il y a un joueur a gardien avant joueur Ayakobe Tayango. Gardien assez récupéré qui ballon. Revoir vidéo, on a bien les disponibles là-bas. Parce qu'il avait déjà touché avec les deux mains. Mais pourquoi tu vois parce que on a mis son tout le monde a tout match tout le monde a filmé bangou mais la match on va filmer bangou tindé. Je crois que tu répondras à assez donc. Toi et bien explication de où puis ça t'est hein. Parce que le réalisateur n'a pas souhaité que Bazo, bah image Wana. Voilà. Ok, merci. Bonjour à vous. Merci beaucoup. 085 000 44 40, le numéro par lequel nous joindrons patient direct. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ndéo. Comment le Bengbi soit plus là, comment on a eu orphin ou ya, la Bengi na Banda. Toujours au Kaoundéko. Bon, na ligne na tout na kaka, on a nini lui qui te, ou ebeta ma awa, ou bota en ou en direct qui te, n'engi bosa raba en direct ya ligue 1. Raison nini vraiment et ça la ki, bota en ou en direct 2. Merci beaucoup, Ndeko, pour l'intervention, Nayo. C'est aussi question d'intérêt à public, pour na match ou zago beta ma. Si vous voyez bien, le match autre les Sarah la top Congo FM, ce sont le match où ils ont na Audima Makasi, où ils ont intérêt Makasi à public, où ils savent que ce réseau des cas publics ils ont la scotché la top Congo FM Ilanda. Des simples sans obéir à supporter Bakulanda. Vite sans obéir à Zamba supporter Bélé et combattre Bakulanda. Renaissance du Congo sans obéir à Zamba supporter Bélé Bakulanda. Na Kinshasa Awa. Et puis il y a quelques matchs du tout puissant Mazembe, le propos que nous proposons à nos auditeurs. Voilà, il faut déjà dire qu'il y a intérêt. Intérêt, peut-être que la Ligue 2 n'attire peut-être pas trop autant que bah, grand club ou Natiko Tangawana. Donc, passer un match où il y a un intérêt, ma cacité, ça serait quand même, je pense, de l'espace hein, perdu dans la radio. Alors qu'il pouvait y avoir un programme plus. Surtout que le programme en gros, il subissera souvent. Top dédicace. Top dédicace, et ça l'a sponsorisé en plus. En plus donc, oui. Voilà. Donc, voilà. Les raisons qui font que. Bah, match à Ligue 2, et les capacités. Et puis, c'est vrai, il faut amener tout la question. On a, pour accorder tout la question, on a dit que si tout la comment. Renaissance Azaki na EPFKIN, mais ma match na Ebanele Bolé dans la top Congo. Voilà. Donc, je pense que c'est d'ailleurs le plus grand exemple à quoi Kozuapona a mis sa réponse par rapport à la question à Tuni Wana. Voilà. 085 000 44 40. Numéro Yarobeng et la Pona Roléka en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous venons depuis Kamlouker. Comment on a mis ça? Toujours quand déco. Oui, juste maintenant, tout le monde à propos de la Bicongo, est-ce que va changer en formule que la Kandemé Zanaka, les playoffs, il y a monde des Nazos qui a également l'équipe en Afrique. Oui. Playoffs et Omema à 3 en Afrique. Donc, deux premiers champions, la Dauphine et Barokende, Ligue des Champions. Et puis, troisième, à cause de la a accompagné vainqueur de la Coupe du Congo. Coupe de la Confédération. Donc, et là, on m'a échangé.
Je sais que na ba réseau na biso il y a certaines pages qui ont parlé, qui ont déclaré que bah Coupe du Congo comme maïsso est sicaté. Ah bon? Attendez. C'est quoi l'intérêt? Pourtant cette Coupe de la Confédération Nathan Wakalabande Kobenga yango Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Donc ça et salama pona ba o ba ganyaka ba coupe nationale. Ce que soit gagner coupe nationale ndé loko e koma deux représentants bazo kende ndé bazoka troisième ya championnat national pour accompagner vainqueur ya coupe nationale na coupe de la confédération mais compétition wana eza nanu exclusivement réservé na ba vainqueur ya ba coupe nationale. C'est pourquoi quand équipe eza na pays eza na deux places bazoka champion à Béti Ligue des Champions et puis vainqueur à Coupe Nationale à Béti Coupe de la Confédération. On aura deuxième team, on aura vainqueur à Coupe Nationale. Donc voilà. Et puis est-ce que formule la Coupe du Congo est changée? Bon, on a lettre il y a fédération Balba qui va ouvrir un groupe pour la Batunions. Donc l'équipe Nions au Ecolinga et prendre part dans la Coupe du Congo et que prendre part. Contrairement à Nengezaki Liboso, Ezaki Kopé, ça a plus de chance dans l'équipe où ils ont moins bien classé dans le championnat. L'équipe provinciale où ils ont remporté la préliminaire. Voilà. Bon, on va venir voir dans la faisabilité la pour la saison Oyasika. Ceux qui ont la Nengenini. Déjà, on verra combien d'équipes vont s'enregistrer. Parmi tous les grands clubs là, ceux qui vont se barrer pour s'enregistrer, ça sera intéressant de voir un club faire le doublé, championnat, coupe nationale. Bon, on va attendre pour voir ce qui est faisable déjà pour la édition Oyo. 085 000 44 40. Il nous reste quelques minutes seulement. On va avoir deux derniers auditeurs avant de terminer l'émission. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, mon frère. Bonsoir, Ndegoko, le Bing Biswapi. La Bing Biswapi, la bandale, Ngaï, mais c'est pas ça. Oui. Na lobby boy, vous allez nous sérieux pour expliquer na lobby na zaki na stade na match à Vita. Je suis fatigué. Oui. Na tali tout et des matchs na tali ma camion sur tout. Mais vous allez nous sérieux pour me expliquer avec Libyen. Contrat Oyo touti qu'on signe si qu'on a Turc. Est-ce que fait club et si abasu bambo ma ya bango? Est-ce que bango va commencer qu'on finance ce qu'on fait club? Parce que on a mon lobby. Et ça, tout le monde a signé un contrat parce que si va passer bon. Pour va faire ça, on a pris un moyen à l'obésité, ils ont équipé dans un bon moment. La personne qui a raqué, ou mes canaux pour vérifier mon alarme, pour expliquer, on va tout clair. Ok, merci, mon frère. Merci beaucoup, Nico, pour l'intervention. Là-haut. On va essayer de se renseigner un peu plus sur le dossier du contrat entre V-Club et les Turcs. 085 000 44 40, le numéro par lequel nous joindrait passer en direct. Allô, bonsoir. Bonsoir. Top sport. Bienvenue dans la commune en Arima. Kombonani. Kombonani, s'il vous plaît. Hein? Kombonani. La Valais, si. La Valais, si. Ok. Je suis à Luvumbu. Pour écouter la Tengana, ministre des Sports, les gars ont mérité titre de nos sites. Il y a Léopard, parce que Bundi Bitumba, au lieu de se faire dire, on a fait la finale. La reine s'appelle Christian Lissapone, vieux homme de couloir, à côté de la Tina Mkondamboka, va remercier Djoko Nabiso, parce que le roi s'est dit, on a fait la patriote à Maka. Merci beaucoup Neko pour l'intervention. Je pense que c'était les derniers auditeurs de la journée d'aujourd'hui. Je pense que vous avez été satisfait. Pour toi, tu Nongonga, Tala Molaï Boye, Lembolingaka, notre émission. Et je pense également que vous avez été satisfait du travail qu'on a fait. Encore trois semaines, Bazali privé d'un mot. Oui. Donc les lots font les Lembino, Kubanda, quasiment 17h05, 10, tous les émissions. Voilà, on va aussi vous remercier pour les encouragements au Tozaki pendant Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que le travail que Tosalaki est passé inaperçu et pas inhabillé nos auditeurs, parce que voilà, encore on le fait pour vous servir, vous les auditeurs de Top Congo FM. Sylvie Amwabi, le plaisir de vous retrouver encore ici à Kinshasa après cette longue période passée ensemble en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'était long, mais
blanc et voilà, et bénéfique surtout parce oui. que voilà, Jonathan Massiala, c'est toujours une expérience de plus de participer à ce genre de compétition. Oui. Ça nous fait grandir, oui. ça fait élargir également notre cercle d'amis, nos carnets d'adresses également qui se gonflent davantage. Donc je pense que c'était vraiment une très belle expérience à vos côtés, comme c'était déjà le cas en 2019 en Égypte, même si on n'avait pas fait des journaux de la CAN, comme c'était le cas en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, c'est une belle expérience qu'on a vécue et je pense que les Léopards nous feront également vivre encore une fois de plus une belle expérience lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025. Et j'espère qu'ils vont se qualifier. En tout cas, moi, j'y crois. Moi, j'y crois, dur comme fer, que les Léopards seront de la partie au royaume chérifien. Et voilà, merci en tout cas, Jonathan Massiala, pour les bons moments, parce qu'on a vécu vraiment des très, très bons moments durant ce mois entre les 13 janvier et les 11 février. Oui. Merci également pour la confiance que nos chefs nous ont fait. Je vais commencer par les boss complets, Christian de Sakweno, et sans oublier Thierry Kambundi Kafuti qui croit toujours en nous, et voilà Jidovic Mboa qui a également sa grande part dans le grand travail qui a été abattu. Donc merci également aux auditeurs, parce que comme vous l'avez dit, on fait tout ça pour eux, et merci également aux amis qui nous ont soutenus de loin. Je pense à Patrick Akem, je pense également... Qui n'a pas pu nous suivre aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, ouais. Je pense également à Huguette Kilundu ou encore à Ange Kalumbu. Je pense également à toute ma famille, en particulier à celui que j'appelle mon papa, le professeur Lino Kungi, qui ne cesse de m'encourager et qui est tout fier de ce que je fais. Voilà, donc moi je pense que c'était les noms, ils sont nombreux qui ont été là à pouvoir toujours encourager ce que nous étions en train de faire en Côte d'Ivoire. C'était pas facile du tout, c'était pas du tout facile puisqu'il y avait beaucoup de travail à faire, mais on a fait le maximum pour pouvoir vous satisfaire durant ce un mois de travail. Alors on va maintenant reprendre avec le rythme normal, d'ailleurs cette semaine c'est déjà le cas, et avec les journaux de sport on espère aussi que le championnat va reprendre rapidement pour reprendre avec le direct de différents grands matchs sur les antennes de Top Congo FM. Merci de nous avoir suivis, restez branchés puisqu'on va se retrouver déjà demain 6h45 pour le tout premier journal des sports de la semaine. John Kondé Dibuela était à la partie technique, merci beaucoup à lui, et on se retrouve donc demain 6h45. 88.4 Top Congo FM. Sport. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.